Alléluia. Alléluia. Jesus, Jesus, Jesus. Inch'Allah. Yahweh. Hey. Jubilant. Jubilant. Dansons. Dansons. Voilà. Chantons. Chantons. Oui. Chantons, mes frères. Et à tue-tête, accordons à nos voix des écus de joie. Ah. Et que nos mains battent de plaisir. Ouais. J'entends et que nos mains, que nos pieds, que nos bras, que nos poings, que nos dents et que nos fesses battent de plaisir. Car il est surgi, mes frères, un temps nouveau. Oui, il est surgi un temps nouveau où le vent n'est plus enceinte de deuil. Il est surgi un temps tout nouveau. Tout nouveau. Et la nation, respirant désormais la vertu, a commencé par vider peu à peu la puanteur de l'incurie passée. Le temps est si beau. Si beau. Si beau et si nouveau que les nigauds ne sont plus au tombeau. Auparavant, à l'aide de mes visiblement invisibles. Demain, visiblement invisible, le pays a été copieusement prélevé. Les trousses publiques trouées. Les caisses de l'État complètement lessivées par une pluie corruptogénique. Un pays où on a abandonné la culture. Un pays où la culture, nos valeurs androgènes ont été abandonnées. Où la culture de l'éthique, de l'effort et du travail a été abandonnée. Au profit d'une démocratisation massive et avancée du vol. L'État, athée de kwashiorkor économique aigu, plongea dans le plus profond des combats d'insolvabilité de créances. Et nos fonctionnaires, l'État, ayant mangé de travers sa souveraineté économique et financière, les a astreints à une promotion délestée d'incidences financières. Il en a plutôt gelé le paiement. Et les incidences financières s'accumulant, les financiers de l'État sont devenus incendiaires. Des arriérés salariaux. Comme économie réalisée. De colossaux arriérés salariaux. Un passif très actif. C'était au temps de l'État sans État. Voilà, de l'État sans État d'âme. De l'État sans âme d'État. Arrêtez la haine des ponts. De l'État tchèque-bain. État délinquant. Al-Qaïda. Procénète financier. État de Tekadine. État à la morale rampante. État. Saint-Soleil là. Ah oui, tiens là. Mihep, Mibo. État péditeur. Je danse intelligent. Kiki, mais votre chebo. Maintenant là, il nous faut nous réjouir. Car aujourd'hui, il est venu le temps d'un État
Un état. Attends. Tu veux dire état avec gratte. Gratte. Oh, Edie, état à Pokpin. À quoi ça? C'est-à-dire, état baobab quoi. Baobab. État tigan. État frisco. Hollandais. Ouah, super. Allez. Où est-ce que tu es? L'état de plus fille, hein? C'est pas vrai, hein? L'état était fille. Oui, avant là. L'état était fille. Vous voulez? Mais maintenant là? L'état est garçon. C'est pas vrai. Ah! Et l'état reconnaît désormais publiquement sa tête. Mais les pères. Ah oui. Ça strain à les payer. Émet désormais des titres. Chimino. Titres. C'est-à-dire des certificats spéciaux de créance sur l'état. Ça. Mes frères, ils ont appelé ça. La titrisation des dettes de l'État. La titrisation des dettes de l'État. Ah oui. Qui paie ses dettes s'enrichit. Naturellement. Mais l'État qui n'a pas de souffrait, mais qui programme ses dettes, est un État intelligent et honnête. Non, c'est vrai. Attends, un État c'est très consciencieux. C'est un État responsable. Oui, c'est vrai. Maman, quoi, Miguel? Savez, je vous souffle ça. La titrisation, là. Ça a été négocié avec les syndicats. Syndicats? Les chouchous, là. Les vrais. Les hyper tendus, là. Non, les bons. Les bons. Les bons. Les bons. Les bons. Les bons. Les chouchous. Les bons. Les vrais. Voilà. Mais la titrisation? C'est un acte de haute responsabilité du gouvernement Bourignaï pour rassurer le citoyen créancier. Chimino, écoute, c'est un papier de reconnaissance officielle de dette. Et comme tu l'as dit, c'est un certificat spécial de créance sur l'État. Et ce titre est exigible et solvable devant n'importe quel guichet du trésor public, c'est partout. J'insiste et confirme. Ce titre, qui est nominatif, c'est-à-dire qui porte le nom et le prénom de son bénéficiaire, est solvable et exigible devant n'importe quel guichet du trésor public. Bemberke. Kandi. Achong. Partout, voilà. Lokosa. Portonou. Kotonou. Noté. Dasa. Kalavi. Kalavi. Dasa. Noté. Un titre, chaque titre équivaut à 500 000 francs CFA. 500 000? Tu peux m'en aller? Oui, mais alors? Par exemple, Première épouse, titre tourier. Deuxième épouse, titre tourier. Petit dossier, titre watanier. Étudiant, un titré ou étude tourier. On a un titre. Ce n'est pas tout.
Au plus en 10 ans, toute ta dette est apurée. C'est pas vrai. Et Asoumi. Bon, et Fokiki, si je prends mon titre, je fais quoi? Quand tu prends ton titre comme ça, tu le vérifies. Tu le vérifies. Il doit comporter la signature du ministre en charge des finances, ainsi qu'un code d'identification. Okay. Ils appellent ça l'authentification. Authentification. Okay. Authentification. Oui. Et ce n'est pas tout. Tu dois bien le conserver. Ah, tu as intérêt. Et les bébés de... Tu dois le conserver. Hein? Ah. Ils ont dit. Ils ont dit. Ni grattage, ni rature, ni surcharge, ni plastification, ni adjonction de mention. Eh, adjonction de sous-demeure. Sinon, Banambé. Quoi tu veux là-bas? Ton agent perdu. C'est ça, média. Ils ont dit, hein, toute altération annule purement et simplement ton titre. C'est tout. Et sans recours. Et il n'est délivré aucun duplicata en remplacement. On n'est pas au bon. Si je le paie. Hein? Quoi? Nevo. Bah ouais, oui. Ou on bien. Tu vas le perdre. Faut tout le monde dire, on a perdu. Bah si, ouais, non, on va perdre de même. Ça va là, papa. Perdre ça. Perdre ça. Bon, c'est à 10 000 euros. Ah, bah, vous m'avez. Ça va, où on te le vole, cours vite. Ouazounesou, va avertir les agents du service du trésor et de la comptabilité publique pour une éventuelle opposition. Et dans ce cas, tu peux obtenir un autre titre en remplacement contre paiement de 30 000 francs. Hein? 30 000 plus plus. Ah, 30 000 francs. Non, attends. Vous croyez que l'État prend les 30 000 et les met dans ses caisses? Tout le temps, l'État vit toi. Non. Les 30 000 là, il y a une entreprise qui a fabriqué le titre. C'est à cette entreprise là que l'État retrousse les 30 000. C'est ça. Elle a dit quoi? Meurs. Si elle meurt. Meurs. Bon. Léa. Eddie. Meurs. Léa, si jamais tu commets l'erreur de mourir, tu verras. Tu verras comme ça. La vie va continuer. La vie va continuer. Mais mon titre. Il est mort aussi. Abéniko. Koubi. Tais-toi. Jamais. Ah, là, nous d'accord, nous, Mia. Je ne suis pas du tout d'accord. Son titre n'est pas mort. Hein. Le titre est nominatif, non? Et après. Nous comptons quoi, si? Ce titre-là ne meurt jamais. Ne meurt pas comme ça. Ah bon? Ce titre-là survit à son bénéficiaire. C'est pas vrai. Ma soeur. Même tes ayants droit peuvent en hériter et en user comme si c'était toi. Et ça n'a pas d'ayant droit. Ni d'ayant gauche. Et si je n'ai pas d'ayant gauche. L'ayant gauche. Bon. Donne ça à Yaïboli. Donne ça à Yaïboli. Donne l'argent à Yaïboli. Tu fais quoi avec ça? Pour qu'il nous construise des échangeurs. On va échanger. Donc, attends.
le décès du bénéficiaire n'entache pas la validité du titre. C'est ça, non, frère. Jamais, c'est ça qu'on veut dire. Le décès du bénéficiaire n'entache pas la validité du titre. Ok. Mais c'est clair maintenant. Ah, oui. Et puis, mes amis, Par exemple, si je suis en panne, ah, si tu n'as pas d'argent, si tu n'as pas d'argent, c'est arrivé à tout le monde. Nous sommes entre nous. Non, oui. Enfin, oui. Vous savez que parfois, le mois fait 60 jours. Quand c'est avant, moi qui dépasse 30 jours. Et si aussi, bon, si la date de mise en paiement est loin, loin là-bas. Ah, ben, loin, 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 je fais comment? Kiki, dans ce cas, tu peux céder ton titre à autrui. Ah bon? Je peux faire ça? Oui. Mais c'est toi-même qui cherches tes négociateurs ou tes repreneurs. Eh oui. Ah bon? Gandhi? Kiki, elle n'a pas menti. Hein. Kiki, tu peux céder ton titre à une banque, à une entreprise ou à un particulier. Oui. Mais là, l'État n'est plus dedans. L'État n'est plus dedans. Là, ça devient une affaire en privé. Et l'État est une institution. Elle n'a plus rien à y voir. Attendez, excusez-moi. Vous voulez dire que je ne peux plus rien demander à l'État concernant ce titre que j'ai fait? Non, l'État voulait ça, c'est en particulier. Ah oui. Bon, bon. Écoutez-moi. Est-ce que on en a la main? Oh oui. Je peux faire une donation. Je peux donner. Donnez le fils, sacré à tout, par exemple. Ma fille, sacré à tout. Exemple, me laisse, je me dis, on a un titre, je l'ai pour. Bien sûr. On a le titre, là, oui. En ébi. Sacré à tout, oui. Un titre mariage. Un titre mariage. Et pour toi, c'est un bon point. Titre mariage. Bon. Ah si c'est ça, l'État est bon. L'État a réfléchi. Ah, l'État de garçon, il est là. Il est très fort. Non, vraiment, c'est gars. Bon, si tu veux pas jouer. Non, c'est trop. Tu as mis le pied sur ma langue. Non, si tu veux pas jouer. Non, pardon. Pour plus d'informations, il faut cliquer. C'est en même temps. W. Point. Maman Lawani, point. Non. Erreur de M. Blouléné. Mon frère. Ah, c'est blessé, beau gosse aussi, non, moi. Comment ça? W. Mana Lawani. Point. Ministère de l'économie et des finances. Point. Les cadres. Point. La DGTCP. Point. Ça, c'est la titrisation. Oui, c'est des dettes de l'État. La titrisation. Oui, la titrisation, merde. Titrisation. C'est-à-dire le fait de donner un titre à la dette pour vite et mieux l'apurer. Ah, ok. Quand même. Comment ça? Et avec ça? Les salariés salariaux sont apurés. Les fonctionnaires apurés. C'est à moi. Mon frère, un tien, il vaut mieux que deux. Tu ne l'auras jamais.